le CHU de Lille a souhaité faire du développement durable un des axes stratégiques de sa politique. La crèche familiale La Marelle, le service de soins intensifs néonatal et la direction des approvisionnements ont donc reçu un trophée pour leur plus grande fierté. Je suis fier au nom de ma direction, au nom de mon équipe. C'est une fierté, c'est une récompense d'un travail qui date d'avril 2017. Du 30 mai au 5 juin, de nombreuses activités, stands, quiz et visites se sont tenues au sein du campus, une initiative qui a plu aux participants. C'était interactif, on a appris pas mal de choses, notamment sur le tri des déchets à l'hôpital, entre Dastry, sac jaune et sac noir. Voilà, c'était très intéressant. La semaine du développement durable a aussi été l'occasion pour les professionnels et le public de découvrir la biodiversité au CHU. Moi, c'est ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est de vraiment porter l'accent sur la sensibilisation, à trouver des moyens naturels de lutte contre les parasites. Non, vraiment, je trouve ça très très intéressant. Et effectivement, oui, il faudrait multiplier ce genre d'atelier. La démarche développement durable du CHU a aussi été saluée par les professionnels. Si j'avais un message à faire passer aux professionnels du CHU, je dirais que c'est chaque petit geste qui est important, chaque geste compte. Et comme on dit, chaque personne apporte sa pièce à l'édifice et c'est comme ça qu'on construit des montagnes. Nous vous attendons nombreux pour la prochaine édition.